Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment changer la vitre d'un iPhone 3G ou bien 3GS car le mode de fonctionnement est le même. On va commencer tout de suite. Pour cela vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Il y a deux sortes de cruciformes, celui-ci est plus approprié. Donc celui-ci je vais le poser de côté. Vous aurez besoin d'un levier car il y aura des connecteurs à lever. Vous aurez besoin d'un couteau ou bien d'un cutter pour décoller l'écran LCD de la vitre, une ventouse pour décoller la vitre et un petit médiator pour tenir au cas où. Donc on va commencer tout de suite la vitre neuve, l'iPhone 3GS pardon, qui est bien cassé. Alors pour cela, il y a deux vis en dessous, à savoir une ici, là en l'occurrence il n'y en a qu'une. Donc on va commencer à enlever la première. Donc ce qui est très bien avec ces tournevis, c'est qu'ils sont démontés, donc les vis ne se perdent pas aussi facilement qu'avec un tournevis simple. Ensuite, vous prendrez la ventouse, vous la collerez juste en dessous du bouton, juste au-dessus, pardon, du bouton Home. Vous appuyez un petit peu, vous prenez l'iPhone en main et vous tirez légèrement. Alors pour les vitres plus ou moins cassées, la vitre viendra toute seule. Et le bloc restera en dessous. Donc pour ça, c'est pas grave. Vous décollez la vitre à peine, vous la mettez un peu de côté. Et vous essayez, mais très lentement, vous essayez, je dis bien très très lentement, de passer par en dessous le châssis. Voilà. Alors, on va décoller bien la vitre. Essayez de la faire sortir lentement, tout en forçant un petit peu, puisque c'est assez difficile. Vous essayez de trouver un coin. Assez, comment dire, je sais pas, je trouve pas de mots, assez potable, on va dire, pour que vous puissiez le démonter. Alors, c'est pas très facile, ne mettez jamais le couteau ou bien le cutter ou ce qui vous sert de levier ici, car vous risquez de casser l'écran LCD, ce qui serait bien dommage. Alors, on va démonter en passant par là. Donc, vous voyez, j'ai réussi un petit peu. On va appuyer un peu plus. Il faut bien le faire sortir. Voilà. Donc j'ai réussi un petit peu, hein, à force, ça va venir. N'hésitez pas à forcer. Voilà, c'est ici que... Voilà. Donc là, faites très attention, ne retirez jamais du haut car il y a quelques connecteurs et ça pourrait les arracher. Voilà. Donc vous levez délicatement, vous prenez donc le levier et vous allez voir ici trois connecteurs. Donc à savoir le connecteur de l'écran LCD, le connecteur de la vitre, puis un autre connecteur en dessous. Alors, vous enlevez celui-là. Des fois, il se démonte automatiquement, ne vous inquiétez pas. Vous enlevez celui-ci. Celui-ci était déjà démonté. Et vous levez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte de petit clapet que vous levez, tac, très lentement, et que vous poussez vers là-bas. Voilà. Donc maintenant, l'iPhone est séparé en deux parties. La vitre et le bloc qui contient la carte mère et les autres composants. Donc, on va le poser de côté. Alors maintenant, nous avons la vitre et l'écran LCD. Faites très attention. Nous prenons le tournevis qui est ici. Et il va y avoir 6 vis à enlever, à savoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors on va commencer par celle-ci, qu'on va poser dans l'ordre ici, les unes sur les autres. La deuxième, comme ceci, on va déplacer cette vis. Voilà, la troisième, ici. Nous allons commencer l'autre partie, à savoir la quatrième, qui est là. La cinquième. Et la dernière, la sixième. Donc faites très attention de ne pas les perdre. Si après vous les mélangez, c'est pas grave. Chaque vis peut s'emboîter dans un autre écrou. Voilà. Alors ici, c'est là que le couteau entre en jeu. Vous prenez délicatement sur les côtés ici, il y a deux parties. Vous passez le couteau entre. Vous appuyez très très lentement. Vous passez. Entre, voilà, vous levez à peine de ce côté. On va lever
à peine de l'autre. Et puis on va prendre par en dessous, on va poser le couteau, on va prendre par en dessous et tirer par en dessous, en coulissant, tirer par en dessous, voilà. Alors maintenant, l'écran LCD est séparé de la vitre, on va pouvoir poser l'autre vitre. Avant tout, l'écran LCD, on le pose là, avant tout, sachez que la vitre est collée à un châssis, et ce châssis, vous en aurez besoin pour le remettre dans le téléphone. Alors, le couteau, on le reprend, il va nous aider encore une fois. Et vous allez, faites très attention, il y a de la colle, vous allez passer le couteau entre la vitre et le châssis. Là, en l'occurrence, c'est déjà fait puisque la vitre ne tenait déjà pas beaucoup. Donc, vous allez, n'hésitez pas à forcer hein, parce que la vitre est cassée. Donc, vous en fichez si elle se casse davantage. Le tout, c'est que vous puissiez la sortir. Voilà. Alors, ici, normalement, il y a de la colle, de la colle double face que je ne vais pas mettre par. Parce qu'il y en a encore un petit peu, donc ça sert un peu, on ne va pas en utiliser une autre pour rien. Alors voilà, on va prendre la nouvelle vitre, voilà, que voici. On va là poser le connecteur qui est ici, on va le faire passer en dessous. Hop là, il s'est collé, c'est pas bon, il ne faut pas qu'il soit collé, voilà, il faut qu'il soit décollé. On va le faire passer en dessous le châssis, on va le poser délicatement. On va la poser, pardon, délicatement. On va bien l'appuyer afin que la colle agisse bien. Une fois que c'est fait, on donne un petit coup de chiffon pour éviter que la poussière se mette entre les deux. On va donner un coup de chiffon de l'autre côté surtout pour la poussière. Voilà. Et la vitre ici est bien collée. Voilà. Donc nous reprenons notre écran LCD que nous allons placer derrière celle-ci en la faisant coulisser. Voilà. On l'emboîte en faisant très très attention encore une fois et on reprend notre tournevis. Alors on pose ce bloc ici, on prend la première vis qu'on a démontée, on la met sur notre tournevis qu'on va poser ici en haut à droite et on visse pas trop forcé quand même hein, parce que ça servirait à rien. Un vissage moyen suffit. Voilà, alors donc évitez de boire un peu de café avant ou un peu de coca parce que ça excite bien et ça fait trembler et c'est pas ce qui est le meilleur pour les travaux minutieux. Essayez de faire calmement, voilà. Donc si certaines vis ne rentrent pas, essayez d'appuyer un petit peu ou alors de remonter l'écran LCD, ça pourrait gêner. Voilà, vissez doucement. Voilà. Reprenez vis. Allez, plus que 3 vis. Voilà. La cinquième. Voilà. On va mettre là. Voilà, on visse suffisamment. Puis la dernière. Donc si vous perdez une des 6 vis, c'est pas grave. Hein, ne vous inquiétez pas, le châssis sera bien tenu à l'écran LCD, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous en perdez deux, ça pourrait être embêtant. Essayez de varier. Si vous en perdez une ici et une ici, et essayez de prendre celle du milieu pour la mettre en haut, ça pourrait éventuellement faire un équilibrage, si je puis dire. Voilà. Donc maintenant, notre écran LCD est bien attaché à notre châssis, ce qu'on voulait. Et maintenant, on peut reprendre le bloc. Alors, voilà. Ici, il y aura un petit travail minutieux avec notre levier. Ici, il y a 3 connecteurs, à savoir le 3, le 2, puis le 1. Alors, on va prendre le numéro 3, le tout petit qui est caché en dessous. Et on va le faire rentrer par où il est sorti. Voilà. Prenez votre levier, vous le rentrez à moitié. Attendez. Hein. À moitié dans le bloc. Voilà. Vous le refermez délicatement. Vous emboîtez pardon, le second. Puis vous mettez le premier, à savoir celui de l'écran LCD. Voilà. Et maintenant les connecteurs sont bien mis. Vous faites bien attention de bien mettre le châssis en haut. Puis en bas, vous l'emboîtez bien. Vous reprenez votre tournevis. Vous prenez la seconde, la vis du dessous. Ou les vis, hein, des fois. Normalement, il y en a deux. Vous la vissez en dessous.